je vous donne les dates à laquelle je filme ces vidéos, je crois que ce serait bien. Bon, effectivement, il y aura toujours un petit décalage entre le jour du à laquelle jour du de film et de publication de cette vidéo, mais au moins ça vous donne une certaine chronologie. Donc là, nous sommes le 27 août. Petite tenue kaki jaune, voilà, assez acidulée. Nous sommes encore l'été, de toute façon, il n'y a pas de règle, hein. Été, automne, hiver, printemps, si on veut des touches acidulées ou sombres ou ce que vous voulez, profondes, peu importe la saison. Donc là, aujourd'hui, ce sera une combi short kaki, très très fluide. J'ai, voilà, de la marque Kiabi, trouvée chez Emmaüs. Donc elle est très sympa. Vraiment très fluide. Vous verrez un tissu qui fait légèrement satiné. Avec cette combi, je pensais mettre ce t-shirt que je ne mets pas souvent. Il a un corps en coton et des manches en notre tissu plutôt broderie, façon broderie anglaise. Jaune, donc jaune et kaki, je trouve que c'est super. Bon, je l'avais trouvé sur Shein il y a quelques temps. J'avoue que j'achète plus de vêtements sur Shein, donc ceux-là, je les ai, ils tiennent le coup, donc je continue à les mettre. Des sandales à semelles compensées dans lesquelles on est extrêmement bien. Ce n'est pas le même jaune, vous voyez, mais je trouvais que finalement, ça allait faire un petit dégradé de couleur peps acidulée. Trouvé chez Nose, donc bon, ben Nose, c'est pas de la seconde main, mais c'est du déstockage. Alors, pourquoi pas au lieu que ça aille à la poubelle. Et ce sac également, donc imprimé léopard dans les tons un peu orangés. Orangé corail mais doux, super sympa, que j'avais trouvé également chez Nose. Alors lui, c'est mes tout débuts chez Nose. Alors je connais pas Nose depuis 10 ans, hein, mais depuis au moins 3-4 ans, ce doit être un de mes premiers achats. J'en suis très contente, je vous montrerai plus en détail. Il est quand même d'une très bonne qualité. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais accessoiriser, mais forcément, vous vous doutez bien, il y aura des accessoires. Donc on se voit de suite pour la tenue portée et pour plus d'explications. Alors, on se retrouve avec la tenue portée. Voilà, j'ai accessoirisé les cheveux, j'en ai un peu marre, j'ai mis un bandeau. Je sais qu'il y en a dans beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas quand j'ai quelque chose dans les cheveux. Mais peu importe, c'était pour changer un peu, accessoiriser. Juste le teint, j'ai peut-être un peu forcé sur le blush, mais tant pis, ça met de la couleur, rouge à lèvres nude, les yeux, bah rien du tout. Boucle d'oreille, donc là, j'ai décidé de rester sur des matières, pour les boucles d'oreille, voyez, osier, bracelet en bois, juste une bague très simple, voilà. Donc, un petit bandeau élastique, hein, donc j'ai essayé de mettre mes cheveux un peu tout fous. Il y a un moment où j'arrive plus trop à les coiffer, mais c'est comme ça. Donc là, vous commencez à percevoir donc le t-shirt. Hein, vous voyez l'ampleur des manches. Donc on est très à l'aise. C'est en plus très léger, aéré. Voilà. Alors. Donc, et j'ai accessoirisé aussi. Je ne vous avais pas montré avec cette. Cette ceinture que vous avez dû voir dans un de mes hauls bah Emmaüs, puisque je l'ai trouvée chez Emmaüs, j'avais pas encore eu l'occasion de la mettre. Elle est kaki élastiquée avec ce détail doré qui va très très bien, je trouve. Donc voilà la combi, vous voyez, très échancrée. Hein, donc il faut quelque chose dessous. Bon, les jeunes mettraient un petit. Une petite brassière ou autre. Moi, je voulais associer ce jaune là avec cette. Je vais y arriver ce matin, c'est compliqué. Il est quand même de bonne heure. Donc voilà, avec cette combinaison short, cette combi short. Donc voyez, les petites chaussures à plateforme, même si ce n'est pas le même jaune, donne un petit côté. Voilà, un petit peu plus.
Ça reste décontracté malgré tout. Une jolie tenue d'été, je trouve, de vacances. Et alors, donc en plus, je pensais mettre ce sac. Alors, ce sac, il a plusieurs façons. On peut le tenir avec les deux hanches. On peut le tenir, voilà, à la main. Ou alors, hop, on resserre qu'une hanche, ça le referme. Et on peut le mettre, voilà, en crossbody un peu long. Hein, mais si vous voulez avoir les mains libres, vous voyez, je vois ça le soir en vacances, vous allez à un marché de nuit, de créateurs et autres. Et je trouve que quand même, vous êtes un peu encore mal aiguillé. Donc oui, un petit marché de nuit de créateurs, vous voulez avoir les mains libres. Et ça met une petite touche supplémentaire dans les tons quand même assez... Vous voyez, avec ce jaune et ce orange, avec ce kaki, je trouve qu'on est sympa. Et puis, bah voilà, mon amour pour les imprimés, surtout léopard. Et ce petit sac dedans, en plus, il est voilà bleu. Bon, là, il a rien dedans parce qu'en fait, c'est juste pour la vidéo. Parce que, petit moment que je ne l'ai pas mis, je le mets plus... C'est vrai qu'il fait assez été, pourtant cet été je ne l'ai pas sorti. Bon après je ne suis pas beaucoup sortie non plus, hein. Je suis restée pas mal à la maison. Donc vous voyez cette ceinture élastiquée qui marque bien la taille, je trouve qu'elle apporte une petite touche fort sympathique. Je vais vous la remontrer de plus près parce que pour ceux qui n'auraient pas vu le Olemaus, regardez cette boucle, comme elle est superbe. Et là, franchement, je n'avais pas encore eu l'occasion, pas trouvé comment la mettre. Et là, j'avoue qu'elle apporte un charme fou, une petite touche de délicatesse. Et elle, là, le kaki est presque ton sur ton, juste ce qu'il faut. Et elle éclate, la boucle éclate de toute sa dorure. Donc voilà, vous voyez le sac, il peut même aller un peu derrière. Bon, moi, j'aime pas parce que j'aime bien pouvoir voir ce qui se passe. Mais voilà, oui, petite tenue de vacances. Vous voyez, vous avez laissé sécher vos cheveux sans les coiffer forcément, un petit bandeau. Hop, voilà, s'il y a du vent sur le front de mer, bah, vos cheveux vivent leur vie et c'est génial. J'enlève mon sac, je vous le remontre. Derrière, il est juste voilà orange. Mais très jolie qualité, vous voyez. Et c'était la marque. Il y a une marque, on ne connaît pas forcément. Je crois qu'il y avait une marque. Écoutez. Oui, c'est marqué là, je crois. Volume, sans E. À la fin, ben voilà. Je jette les sacs. Formidable. Donc là, différente encore, dans les toujours très colorées, moi j'aime beaucoup. Je vous remonte la tenue dans son intégralité pour que vous y voyez aussi les petites sandales. Même si, ben voilà, hein, j'ai pas du bon matériel et je peux pas zoomer comme je veux. Il faudrait que je vous penche peut-être plus. Et que je fasse ça pour que vous voyez plus les chaussures. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et l'essentiel, c'est qu'on arrive quand même à quelque chose, même si c'est pas hyper cali-cali, quelque chose quand même qui se regarde. C'est vrai que j'ai la dernière fois, on m'a dit qu'on n'entendait pas bien. Pourtant, j'ai rien changé. J'ai peut-être moins forcé ma voix. Après je filme avec la fenêtre ouverte et des fois j'en ai toujours, je me dis si le voisin est derrière ça palisse, c'est un peu dommage, mais bon écoutez, tant pis. Dites moi ce que vous pensez de cette tenue, comme vous faites d'habitude. Là voyez, pour la journée c'est génial, on est super bien dedans. Bon, moi je dis une tenue de vacances, mais il est très tôt là ce matin, mais moi je suis en télétravail aujourd'hui et dans cette tenue franchement à l'aise blaise.
Donc, je vous laisse commenter, liker, vous abonner, partager, enfin, voilà, tout ce que vous souhaitez. Et je vous laisse également retourner à vos occupations du moment. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Bye bye les amis.